Je vois les ennemis, je vois les ennemis, j'ai levé les voiles un peu. Tu reviens le plus vite, mec. Pour l'instant, je suis droit vers eux. Je te laisse conduire 2 minutes, 2 secondes. Tu vois quelque chose ou pas? Faire quoi, tu veux essayer de les tech? Vas-y, vas-y. Vas-y, on passe à côté, on laisse le bateau couler et nous on monte sur le bateau si on peut. Tu veux faire quoi? Je sais pas, mais au pire faudrait là lancer le bateau sur la gauche et nous partir à la nage. T'as envie de tester un truc comme ça? Vas-y. Vas-y, ils sont tout droit devant nous, là, tu les vois? Non, non, pas au canon. Vas-y, saute et nage sur ce que... Maintenant, 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 ouais. Attends, je vais niquer un truc. Tu nages sous l'eau et dès que t'as besoin d'air, tu remontes de speed et tu redescends. Si on arrive à monter sur leur bateau sans qu'ils nous voient, mec, c'est génial. Sur sprint quand t'es sous l'eau. Je vais remonter maintenant parce que j'ai peur de remonter quand je serai plus près. Ils sont encore loin longtemps, ils sont encore loin devant, on peut y aller. J'espère qu'ils sont pas qu'ils vont pas partir avant qu'on arrive, sinon c'est dommage. Mais c'est pas grave, eux ils voient pas la flamme bleue. Je sais pas si on est encore loin, putain. Oh non, 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 elle est pas loin du tout là. Ok, je remonte et je redescends. Ok, 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 je vois leur pavillon au-dessus de l'eau. Sur le bateau, je suis bientôt en train de monter à l'échelle. On se cache où? Dans le truc du capitaine. Ok, je suis monté. Y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec. Ouais, il est en haut à gauche. Je sais pas s'il nous a entendu ou pas. Je pense. C'est pas sûr. T'es à l'échelle toi aussi? Non, je suis sous l'eau. Ok, va sur la deuxième échelle de l'autre côté si t'as le temps. Derrière le truc. Tu vois là? Ils sont en train de venir vers toi, fais gaffe. Oh, ils nous ont pas vu, fais gaffe. Ils nous ont pas vu. Il y en a un qui vient de vers la fenêtre. Ils nous ont pas vu, gros. Pour l'instant, on est bon. Je suis mort. Et ils t'ont tué? C'est le requin. Non, c'est le. Vas-y, je vais arrêter, ça m'énerve. Ah, c'est le requin qui t'a buté dans l'eau? On va voir ça tout de suite. Ouais, j'ai la flamme bleue. Ok. Moi, je suis à bord, ils m'ont pas vu pour le moment. Je sais rien, mais il est mort aussi, normalement. Regarde mon stream, tu vois. Attends, je vais essayer de revenir avec le bateau. Ils sont deux ici pour le moment sur le bateau. Je sais pas comment ça se fait qu'ils restent à deux. Ça va faire chaud. Dans les options pour être sûr que ça voit que je suis là, parce que je crois que comme ça ça t'évite d'être banni pour une activité. Il y en a un qui monte tout en haut.
Mec, c'est la première fois que je toque et que j'arrive à le faire. Toi, si t'arrives à remonter sur le bateau, mec, sur le navire, là, ce que tu fais, c'est que tu vas tout en haut si tu peux. Non, ou dans la cale. Tu sais où te cacher dans la cale? Dans la cale, ouais. Celle qui est tout en bas là. Le mec il m'avait pas fait, mais j'ai préféré quand même prendre aller au-dessus. Non, mais c'était pas mauvais, c'est juste que. Je sais pas, ils ont dû repérer un truc. Non, 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 parce que j'étais super bien là, tu m'avais pas vu. Je pouvais aller dans la cale au calme. C'est juste que c'est moi qui ai fait. Non, pas sûr, mais de toute façon, c'est notre première fois qu'on tag quelqu'un et franchement, là je suis dessus pour le moment donc ça va. Je vais bouger toute seule. Je te vois arriver avec le bateau en plus. Lance le bateau un peu plus sur ta droite et tu nages un peu loin. Ils sont en train de regarder, j'ai entendu une lunette. Il y en a un qui regarde à la lunette donc il te voit passer, fais gaffe. Si tu sautes, il va s'attendre à ce que tu arrives. Donc au pire, tu sautes du côté droit du bateau et tu nages. Mais c'est pas du côté gauche, s'il doit sauter, c'est mort. Et je te voyais, tu me faisais trop rigoler. Est-ce que je me tire au canon? Non, non, jamais, sinon ils vont t'entendre. Là, faut que tu sautes du côté droit du bateau, vu qu'ils sont à gauche, et que tu passes sous l'eau et que tu viennes comme tu peux. Oh, mais je suis toujours trop loin là. Ouais, mais faut que tu nages. Il n'y a plus personne là, ils sont en train de se battre sur le truc. Donc lance le bateau tout droit, hein, surtout pas vers eux, pas vers une île pour qu'on l'ait toujours quelque part. Monte les voiles, ouais, au tiers et tu le laisses partir et tu sautes. Y a personne sur leur bateau, je crois. Y en a un qui est en train de monter sur leur bateau. J'entends l'eau. Toi, continue d'avancer au pire. Mais j'entends des bruits d'eau, donc au pire, tu sais, tu montes à l'échelle, mais tu t'arrêtes. Fais gaffe. Ils ont vu le bateau, donc ils sont en train de regarder le bateau se barrer. Reste sous l'eau, reste sous l'eau, reste sous l'eau, reste sous l'eau, reste bien sous l'eau. Il y en a un qui se tire vers notre bateau. J'espère que tu l'as lancé tout droit et loin. Hop, et tu redescends tout de suite. Il risque de te voir par contre. Attends, moi il faut que je bouge et que je fasse peut-être. Je sais pas combien de temps ça dure leur truc. Je me suis remis en furtif et voilà. Vas-y, continue d'avancer sous l'eau. Tu te mettras juste en bas de l'échelle de droite. Hein. Donc celle qui est le plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Reste sous l'eau, reste sous l'eau, reste sous l'eau, reste sous l'eau. Et dès que t'es à l'échelle, t'attends un petit peu, je vais te dire. Là, il y en a un qui est sur la gauche de leur bateau pour le moment. Il y en a un qui vient de respawn, donc il s'est fait buter. Il y en a un qui m'a vu surtout. Ah ouais? Il tire dessus déjà? Ouais. Merde. Il y en a un qui est parti dans l'eau, il vient te chercher. Derrière. Oh, il se voulait décomprendre. Oh, il m'a tué. Bah, c'était sûr. Vas-y, c'est bon, je vais me canonner. Ils vont se casser. Au pire, arrête le bateau sur l'île qui est à côté et viens en nageant depuis l'île. Non, non, je suis à la fou, je vais me canonner. Oui, mais canonne-toi si tu veux, mais viens en nageant. Là, il y en a trois sur le bateau, ils sont en train de se dire nanana. Je sais pas, enfin, je sais pas ce qu'ils se disent, mais ils sont trois sur le bateau. Ils sont en train de bouger le bateau. Ah, effectivement. Je vais bouger. Il y en a un autre, il continue. Bah oui, c'est normal. Ah, mais je suis juste là. Je te vois, je te vois. Mais ils t'ont vu parce qu'il y en a un qui a chargé un canon sur la gauche. Je pense qu'ils se sont barrés à cause de toi en fait. Kraken. T'es sérieux? Je suis sérieux. Mais allez, je dis ciao au bateau, je me barre. Viens, ils sont toujours en train de bouger donc tu pourras pas aller. Attends, ils bougent? Non, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés, si tu nages tu peux peut-être venir mais il y en a deux dans l'eau. Il y en a un qui est dans l'eau qui arrive. En fait, ils font plus le fort depuis qu'ils t'ont vu. Donc là, si tu au pire prends notre bateau, mets-toi sur une île et attends. Le pauvre petit bateau.
T'as eu le crâne, marche là. Je sais pas non plus, en tout cas il y en a un ou deux qui est en train de se battre dans le fort et j'en vois plus sur le bateau pour le moment. Ah, j'entends de l'eau là. Il y en a un sur le bateau et il y en a un qui est pas loin. Si tu veux venir sur le bateau, faut que tu fasses le tour et que tu arrives par la droite, je pense. Parce que là il surveille la gauche. Attends, est-ce que j'irai pas sur le fort prendre un boom l'éclater de bateau? Franchement, si tu vas sur le fort et que tu arrives à prendre un boom, c'est nickel. Mais sois discret, va sur le côté bien, bien à gauche. Attends, faut que je parle doucement quand même. Le respect. Ouais. Il y en a un qui est là, qui se prépare avec un canon. Bientôt, je vais me remettre en furtif. Je sais pas combien de temps ça dure le truc furtif. Mais putain, mais je me paye une chouette. Ils attendent les squelettes sur leur bateau. Je suis mort. Je me suis pris encore un requin. Je me prends que des requins, c'est abusé. Du coup, j'ai la flamme bleue. Du coup, je me vois pas. Je sais pas comment je suis caché par rapport au truc. Il y en a toujours un sur leur bateau. Quel pote? Saleté de singe, casse-toi. Si, j'ai toujours notre bateau, je pète. Il y a un petit singe. En tout cas, je vois ton pseudo nulle part. Ah, il y en a un qui est monté là-haut, j'ai pas vu s'il avait un tonneau. Il y avait un petit singe dans ton écran. Ah, bah oui. Tu vois un truc sur mon écran, tu me dis. Je suis en train de me servir un verre. Ok, mais je crois qu'il y a un petit décalage. Oh ouais, notre bateau il est mort. Bah au pire, reviens vers le fort des damnés. Je te dis dès qu'il bouge et vers où on va. Et si je vois qu'ils ont fini le truc et qu'il y en a un qui monte avec un tonneau, je peux essayer de les péter, mais faut que tu sois pas loin. Parce que si je les pète et que je les tue, les loots sont là, mais eux ils vont respawner à un endroit, ils vont revenir, tu vois. Donc prends le bateau, il est vers le milieu à gauche, je crois, en haut. Et tu te mets sur une île à côté. J'entends plus de coups de feu. Il y a toujours une musique un peu stressante, mais je les vois plus non plus. Bah de toute façon tu suis tout avec le stream, non? Ok. Mais du coup, essaye plus de venir. Je pense que moi, ils m'ont pas vu. Ils doivent penser que c'est un mec tout seul. Ah si, je viens toujours. Hein? Je viens toujours. Ok. J'aurais mes failles. Pas de problème, ma fée. Mais il commence à faire jour, ça peut s'être. Je sais pas combien de temps le toc il peut rester sans rien risquer. Y'a un mec qui vient. Y'a un mec qui est passé derrière le truc. Je sais pas s'il a pas vu mon nom quand je me suis relevé pour me coucher. Attention, il risque de me. Non, il est reparti. Le crâne à l'envers, on le voit pas du tout. Il a des yeux et tout. Vous abusez. On se fait avoir à chaque fois, à chaque game. Non mais je te dis, ça se trouve il y en a quelque part, c'est juste qu'on n'est pas à côté. Bon, le mec il est passé tout autour et il est retourné à ses affaires. Je pense qu'il se met à un endroit où je peux pas le voir d'ici, parce que si je me relève, il doit avoir mon nom quelque part. Parce qu'il est vraiment passé pour regarder autour, je pense qu'il a failli me cramer. Et si j'en vois deux ou trois qui débarquent en même temps, ça veut dire qu'ils veulent me buter. T'es loin toi?
il revient, il va me buter. Je me suis déplacé parce que ça se prouve, il va revenir avec des potes pour me buter. Ça se voit pas trop ton truc rouge là. Si, et carrément. Venez voir, on le troll et tout. Et il s'est remis là-bas, je peux peut-être me remettre au niveau du. J'ai pas envie de tenter d'aller dans la cale. Eh mon gars, c'est stressant de ouf de faire ça. Ils sont toujours en train de se battre, donc ils sont toujours en train de faire les trucs. T'es où toi, t'es loin? Putain, mais le mec il est venu me voir, ça m'a fait flipper. D'ailleurs, j'ai pris un snipe aussi. Attends, parce qu'il est en train de se redéplacer, il revient. Il monte tout en haut. Fais gaffe parce que s'il regarde à la vigie, il va peut-être te voir débarquer. Je suis hyper loin alors, il y a le temps. Ah ouais, à ce point-là. Tu connais le nombre de cases à peu près, même si c'est faux, dis-moi un nombre, que ça me donne une idée. 4. Ok. Il y a le grand en vert qui est toujours sur le bateau et qui monte à la vigie et qui regarde un peu partout. Et je pense que les trois autres se font le fort. Je sais pas combien de temps on peut rester inactif comme ça sans bouger. Je fais mon canon et puis si ça peut te faire gagner du temps sans qu'ils t'entendent, c'est cool. J'ai la flemme. Bah fais-le, dans ce cas. De toute façon, moi pour l'instant je suis toujours caché. Je vois rien, j'entends rien par contre. J'ai envie de me détoc et de me retoc, mais Mais tu sais qu'on est dans une session de ouf parce que lui il a un émissaire, il s'en bat la race, il est affiché partout. L'autre il a mis le drapeau pour PVP et il y en a un deuxième qui a mis un drapeau PVP. Putain, mais c'est pas bon d'avoir ça à cette heure-ci, je dois travailler demain moi. Pire. Le canon, si on meurt, on meurt et puis on va. T'inquiète, fais comme tu le sens, c'est le mieux, comme ça tu verras ce qui marche et ce qui marche pas. Si tu crois que ça peut marcher, fais-le. Parce que je t'avoue que t'avoir là sur le bateau au moment où on va devoir leur voler le truc. Par contre, j'ai pas vu de chaloupe derrière, donc on peut pas voler le coffre et partir avec la chaloupe. Ah, ça y est, je vois ton nom. Ça veut dire que t'es plus trop loin, tu dois être à deux cases. T'es à la barre même, je peux te dire. Il y a le singe qui était à côté de moi. Le mec est descendu de la truc, il a dû te voir, fais gaffe. Il se met à l'avant du bateau. Il a dû voir notre bateau. Ils sont en train de faire le boss. C'est impossible, il y a la brune. Ah oui, oui. Bah, du coup, je pense que l'autre est là. Il va dire, oh, j'ai besoin d'aide. La patati patata. Ils sont en train de faire le boss, mec. Ils sont en train de faire le boss. Je te promets, ils sont en train de faire le boss. Je te jure que si on arrive à voler un Athéna de cette manière-là, c'est le kiff total. Ils sont en train de faire le boss, de ouf. Il faut trop que j'arrive à péter leur bateau, je n'ai rien à foutre des... En vrai, je mets le stuff et je veux dire... j'en ai rien à foutre de faire du bruit, voilà. Ouais, si tu veux, t'inquiète. Moi, je suis caché, de toute façon. Que toi, tu reviennes, c'est pas grave, ils t'ont déjà vu plein de fois. Et si t'arrives à te cacher, c'est génial. Par contre, ils sont deux sur le bateau. Donc, ils t'ont vu et ils les ont appelés. Ils sont trois sur le bateau. Ils sont trois sur le bateau. Ils t'ont vu, c'est sûr, ils t'ont vu, donc fais gaffe. C'est possible, là je les vois. Si je les vois, ils me voient sûrement. Ils vont essayer de te harponner pour te tirer sur le bateau et te tuer d'un coup. Mais tu sais que je suis hyper loin. Non, mais c'est sûr qu'ils te voient parce qu'ils sont trois sur le bateau. Ouais, mais attends. Je pense que le quatrième va pas tarder. On a deux cases encore, hein. Tu dis. Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi ils font ça alors. Je suis même pas dans le brouillard. Qu'est-ce que c'était ça? Il tire sur le boss. Au pire, j'ai un truc de fou à faire. Ah oui, ils ont dû ramener le boss et ils le tirent à trois au canon. Viens, c'est le moment de nager et de revenir sur le bateau, mec.
Je me cache, mec, je me cache sur le... Oh putain! Je me cache sur le fort et... Et quand après, dès qu'ils ouvrent, tu les canonnes tous, tu les défonces. Non, non, mais tu sais, je prends un méga boom, je tire dans le méga boom. Direct, ouais, cache-toi sur le fort. Non, je vais tenter. Dès que j'entends la musique de fin du truc, c'est parfait. Mec, je sais qu'on peut le faire. Par contre, on stresse pas et on s'énerve pas si on rate. C'est la première fois, on a le droit de rater, on a le droit de. Moi, je suis en train de flipper, j'ose pas bouger parce qu'ils sont tous sur le truc. Ça s'est entendu, je me suis canon. Non, j'ai pas entendu parce qu'ils sont en train de canonner comme des porcs. Donc, là, franchement, ils sont à 3 sur les canons. Stress total. Je pense que je pourrais. Ils sont en train d'aller chercher des boulets. Je sais pas où t'es sur le fort, mais eux ils sont au niveau du bateau. Mec, je suis sur l'île. Je suis sur l'île. Ok, parfait. Mets-toi à un endroit où tu. Mets-toi au premier étage du fort et tu te mets en cachet. Je vois le bateau qui passe par contre, donc ils vont le voir aussi. Mets-toi au premier étage en mode caché qu'ils voient pas ton nom. Ah oui, par contre, je l'ai très très mal caché le bateau. Non, non, mais il part tout droit, t'inquiète. J'espère juste qu'il va pas venir par là. Au pire, ça détournera leur attention. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Il y en a un qui reste comme ça. Ils ont vu notre bateau, t'inquiète. Cache-toi au premier étage du fort et. Ouais, je suis pas caché, mais je suis pas caché. Mets-toi en mode furtif. Je pense que ça cachera ton nom, ou je sais pas, mais j'ai cru comprendre ça. Oh, si ça cache mon nom, c'est trop bien. Le singe, il vient me voir tout le temps, il est relou. Casse-toi, le singe. Là, il y en a un qui peut me cramer, du coup, je sais pas me remettre en furtif. Je mets ici. J'espère que de modifier ça, ça fait quelque chose. Sinon, je... Ils l'ont tué, ils l'ont tué, ils l'ont tué, ils l'ont tué. Ils l'ont tué, donc bientôt, ils vont prendre tous les trucs. Reste caché, reste caché. Attends d'entendre le rrrr de la porte. Tu vois la porte de là où t'es ou pas? Je vais faire péter les billes là-bas. Ouais. Non, non, mais juste un escalier, je suis dans le... Ok. Attends bien que la porte s'ouvre. Attends un petit peu qu'ils sortent les trucs. Et après t'y vas, tu fais tout péter. Oh, je prends un sniper. Oh putain, le con. Bah, un sniper, c'est pas fait pour tirer sur les trucs. C'est ça. Bah oui, tu cliques droit, tu vises le méga boom, tu cliques et c'est parti. S'il y a personne sur le trajet, c'est mort. Il y en a un qui est sur le quai. Attends, attends, j'entends une musique. Sur quoi? Ils ouvrent la porte. Là, ils ont ouvert la porte, je pense. Fais gaffe à toi. Vas-y en mode furtif, hein. Pas comme un calu. Mais là, ils ont dû ouvrir la porte. Et il y a un mec sur le bateau encore. Il est en train de faire le tour, le mec sur le bateau. Il vient de surveiller, il est reparti. Boom ou pas? Ok, me parle pas et joue. Je vois que c'est tendu. Souffle et tu m'expliqueras après ce qui s'est passé. Il y en a un. Hein? Allô? Ça m'énerve. C'est bon, allez. Non, rejoins s'il te plaît, j'ai besoin de toi parce qu'il me faudra le bateau si j'arrive à les avoir, mec. Fini, fini, je te laisse, je te dis bon la vie. Ah ok, pas de soucis, bah bonne nuit alors. Vas-y, vas-y, c'est bon, on tire des chiens. Y'a pas de problème, j'espère que je vais réussir à faire quelque chose et je te dirai ça ou tu verras ça. Attends, je te regarde vite fait. Comme tu veux, il est en train de vérifier. Ouais, c'est normal, c'est le stress. Moi, t'imagines pas dans quel état je suis parce qu'ils sont en train de chercher partout. Attends, je vais essayer de me reco. Au pire, ouais, essaye de te reco, prends le bateau. Mais ça me. Mais putain! Chut, alors, ça fout. Écoute-moi. Écoute-moi. C'est pas notre fort, on essaye de le voler. Donc, y'a aucun stress, ok? On s'entraîne. Mec, écoute-moi. On s'entraîne à le faire. Là, même moi, j'ai de la chance d'être encore là.
et qui m'ait pas tué, ok? C'est énorme, ok? Donc c'est rien, c'est pas grave. On aura d'autres occasions, et on le fera mieux parce qu'on a raté cette fois-là, ok? Il n'y a pas de problème. Donc souffle un coup, il n'y a pas de souci, moi je suis encore là. Ils sont en train de récupérer les choses. Il y a un méga boom qui est en train de monter. Il y a un méga boom qui est en train de monter. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de monter dès que le mec se déplace? Essaie de le faire péter. Non, parce Fais que. péter. Non, 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 je peux pas le faire péter. Il est au premier étage. Il est en train de le monter, le mec. Mais ça veut dire qu'en gros, si j'arrive à monter et à me cacher là-haut, c'est GG. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, attends, demain, je risque de pas jouer en fait. Ouais, je comprends, c'est normal. Continue à parler Parce qu'il fait doucement. pas beau en plus. D'après toi, je fais quoi? J'essaye de monter ou pas? Au pire, tu reconnectes pas, regarde juste le stream. Ah, t'as rejoint, ok. Parce qu'en fait, je sais pas, je regarde pas. Parce qu'en fait, le délire, c'est que soit j'essaye de monter et d'être avec le méga boom, comme ça, quand ils arrivent à un avant-poste, que tu sois là ou pas, je fais tout péter. Et je prends les loots, tu vois ce que je veux dire? Il est où le bateau? On a un autre Juste qui est en là. train d'arriver dans le bateau. C'est une blague ou quoi? J'aurais dû monter juste après qu'il soit descendu du méga boom. Il remonte avec des booms, ils sont en train de charger les booms tout en haut, mec. Je tremble. Alors, répète, souffle, respire lentement, souffle lentement. On s'en bat les couilles de gagner ou de perdre, on est d'accord? Là mon gars, là je monte au-dessus. Attends, je vais tenter un truc de Hey, ouf, vous tu savez. m'écoutes 2 secondes? On s'en fout, c'est un test, ok? C'est un test. Si ça se prouve, à un moment, je vais devoir me lever ou faire quelque chose et je vais foirer mon coup. Parce que là, ils sont tous sur le bateau en train de faire quelque chose. Ça veut dire que ça se prouve, ils ont déjà tous les loots au bord et je pourrais plus monter en haut sans me faire cramer. Mais tu verrais comme ici. T'inquiète pas, t'inquiète pas, Parce t'inquiète qu'il pas. me faut votre mère. T'inquiète pas, il y a le dernier qui est en train de venir. Et Oh, c'est la j'ai première l'impression. fois que je suis en train de tech comme ça, tu sais pas dans quel état je suis, donc il faut absolument que toi tu gardes les pieds sur terre ou t'es loin. Pourquoi j'entends les tirs depuis là? Oh, je vois leur navire. Il y en a qui se rejettent là-bas pour récupérer le truc. Il faut absolument pas que tu te fasses recramer parce qu'ils vont être vraiment sur le qui-vive sinon. En Ouais, je fait, je vois vais d'où tirer. tu viens, t'arrives de derrière. Sais, tu m'as compris où je vais tirer, mais je vais tirer. Fais ce que t'as à faire. Moi, de toute façon, je suis là. Putain, mais je suis où là? Mais tu t'énerves pas, si tu te fais buter, c'est pas grave. Si même moi je me fais buter et qu'on perd, c'est pas grave, on est d'accord. Mais je viens de. Tu veux faire une connerie, mais c'est pas grave. C'est pas grave de faire une connerie, c'est. Franchement, j'ai 1 mois et demi du jeu. Toi, t'as arrêté de pendant longtemps, donc on a qu'à dire que ça fait 2 semaines que t'as repris, si je me trompe pas. Oh, putain, je stresse. Il est venu dans le truc poser un. J'espère vraiment qu'ils vont pas poser le coffre là où je suis, mec. Parce que sinon, ça veut dire qu'au moment où il a monté le keg, j'aurais dû essayer d'aller dans la cale. Là, je peux plus. C'est que le bateau il fait sa petite vie, ça me pète de rire. Ouais, bah ouais. T'es en train de nager du coup? Non, j'en ai rien à foutre, je passe à côté, je tire dans le mât. C'est ce Ok, que je vais faire. vas-y, vas-y. T'as Putain, pris le oh, sniper? T'as pris le j'ai pas sniper, un. c'est ça? Il y a un deuxième méga keg qui est monté là-haut, mec. Si tu passes et que tu tires dans les méga qui sont sur le mât du milieu, tu fais Contre là, péter je un peux pas double prendre. méga keg. Ouais, du coup. Il y a 2 mégas, mec. Il y a 2 mégas. Attends, ils doivent pas paniquer là, un peu? Non, et toi, tu stresses pas non plus. Il y a un troisième, il y a un troisième, il y a un troisième qui est dans la cale. Il y a un troisième qui est dans la cale. Mon tir, tu sais, ils m'ont vu là. Il y a un troisième qui est dans la cale et il y en a un qui est normal. Qui vient de Il est partir dans où? l'eau. Il y en a un qui est normal et qui va venir vers toi. Mais je sais. Ils sont où les méga bombes? Ils sont tout en haut, tout en haut. Dans la vigie. Je l'ai mis. J'ai vu. Oh, tu m'as tué. Je suis mort aussi. Je n'ai rien à foutre. Je rends mon âme. Le bateau est toujours là? Oui, il est plus que là. Merde, tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué. C'est dommage. La gueule du bateau. Ah ouais, mais eux, ils vont couler. Il a vu Ouais, qu'il y en avait j'espère. un deuxième. Il a vu qu'il y en avait un deuxième. Le deuxième quoi? Moi. Il m'a vu. Il sait qu'il y en a un deuxième.
Ils sont deux à être morts, trois à être morts, ils sont tous morts. Si t'arrives à les couler, on peut se barrer avec le truc. Ils ont coulé. Ils ont coulé? Oui. Sauve notre bateau, mec, et retourne près du truc. Je suis juste à côté. Ils ont vraiment coulé, genre. Je suis en train de revenir. Ils ont respawn. S'ils ont respawn, c'est à côté de la mermaid. Moi, je suis sur le bateau avec toi dans 3 secondes et demi. Mec, t'es un chef. Je suis là. Regarde les gueules du bateau. Ah, fini. Il est où? Ah bah, il est dans l'eau. Non, mais où? Pas à droite, là. À notre droite? Voilà. Regarde. Il y a la mermaid. Il y a la mermaid. T'es là. Prépare-toi à te battre. On m'a visité, mais c'est pas grave. Prépare-toi à te battre. Si t'entends un bruit d'eau. Prends tout. Par contre, ne dis rien, j'écoute l'eau. Il est où l'Athéna? S'en fout, prends l'eau, prends tout. T'as géré, mec. J'ai pas entendu d'eau, mais il y a eu une mermaid. Tiens, regarde, cadeau. Vas-y, prends-le, pose-le direct à côté de toi. T'emmerde pas, les poser loin. Pose-les à côté de toi et prends tout. Et on se casse. Mais qu'est-ce que tu vois? Non, je vois personne. Je monte l'ancre pendant ce temps-là parce que la voile est haute. On puisse se barrer direct. Oh, tiens, regarde ce que j'ai. Oh, merci, thank you. Je crois qu'on les a eu, mec. Ah merde, ça tourne. Je suis désolé. C'est pas notre. C'est bon, j'ai bloqué. Attends, je me tais, j'ai besoin d'entendre l'eau. Parce qu'il y a toujours leur mermaid. J'ai envie de me barrer, on se barre ou pas? C'est pas la nôtre. On se barre ou pas? Non, y a pas la flamme bleue. Hey, mais tout à l'heure j'ai eu un bug. Non, mais dis-moi, on se barre ou pas? Parce que c'est sûr que c'est pas la nôtre. Vas-y, partout. Éteins toutes les lumières. Attends. Ah oui, il est juste là. Dis-moi la direction pour l'avant-poste le plus proche. Tu sais comment j'ai des ailes. T'as déchiré, mec. Le plus près. Ouais. Oh ouais, mais ils sont hyper loin. Montre-moi. Toi, débranche-toi, je sais pas. Faut aller à droite. Ouais, par contre, on va se payer une tempête alors. C'est pas grave. Merci les bingaboom et merci le sniper. J'ai mis ma meilleure balle de ma vie. Ah non, mais c'est génial, mec. Tu peux pas t'imaginer. Le premier boom, il m'a enlevé pratiquement toute ma vie. Et j'ai voulu me recacher. On pourrait le clip. Ah, mais t'inquiète pas. J'ai les explosions, mais que de. Enfin, j'aurai pas ta vision, quoi. S'il te plaît, je vais faire une pause là, parce que j'ai une main qui tremble. Ok, mais reste à côté du PC parce que s'il y a un dégât, j'ai besoin de savoir où t'es. On est toujours dans la bonne direction ou pas? Tu es allé où? Le plus proche, c'est quoi? Il doit pas être loin, c'est Sanctuary ou Ancient Spire, je crois. Ah non, on est même pas affiché sur la carte, c'est trop bien ça. Ouais, on est pas affiché sur la carte parce qu'on a pas les trucs de mort. C'est pas ça. Spire, sud-est. Ouais, ok, droite, gauche. Oh putain, je sais pas lequel aller. Droite ou gauche par rapport au bateau? Tourne à droite, droite. Ok, c'est quoi qui gêne? C'est que l'ancien Spire il est trop proche, t'as peur qu'il vienne? C'est rien, ils sont tous hyper loin. L'ancien Spire il a combien de trucs? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci Super Sim. Eh, franchement, on est en stress de ouf et de malade. On n'a pas encore gagné, mais on a volé. C'est Super Sim, il a vu qu'on avait volé l'Athéna, mec. C'est notre premier Athéna qu'on vole. Je reste au volant, tu me dis toujours. Tourne à droite. Hein. Beaucoup. Oui. Oui. Vas-y. De toute façon, là, dans la tempête, j'avoue qu'il.
pas nous voir. Je vais essayer de redresser les voiles. Ça tourne doucement vers la droite. T'inquiète pas, il y a tout en vidéo de toute façon puisque c'est ce truc. J'ai pris un peu les trucs les plus chers. Ouais, c'est bon, là t'es bon. Tout droit. Parfait. On est à contre-vent en plus, normalement à contre-vent on est les plus rapides avec les voiles plaquées. Non, joue pas avec, pose-le en bas ou quelque part, mais joue pas avec. S'il te plaît quoi, parce que si tu tombes que je dois mettre l'ancre, ok on sort de le... Je lâche la barre parce qu'on est sorti de la tempête. T'es beau dodo, super Sims. Sim. Ok, par contre le problème c'est que ouais on est en train de retourner en arrière. Ça te dérange pas si je vous lis maintenant? C'est quoi? Si je vous lis. Non, tu peux tout lâcher si tu veux. Il fait jour chez moi. Ouais, je sais, non mais tu peux tout lâcher si tu veux. Pas de problème, je vais finir tout seul, mais c'est dommage, tu vas rater le bénéfice du truc quoi. Et tu peux monter juste à la régie pour regarder aux alentours si tu les vois. Genre à droite ou je sais pas quoi. Je vais pouvoir jouer. En même temps, c'est normal. Reste une, deux, trois cases. C'est juste que je me chie dessus, littéralement. Non, mais c'est normal. C'est normal. Je sais pas dans quel état je suis. Mais dis-toi que c'est un truc qu'on a volé, donc on risque rien à le perdre, ok? On a juste attendu que les mecs aient fini le truc et t'as tiré sur les méga kegs. Ça, je m'en fous, mais c'est pour demain, je vais me faire démolir. Ah oui. Et ben, au pire. T'inquiète pas, dès que tu si t'es puni, dès que t'es plus puni, on rejoue ensemble direct, t'inquiète pas. Devant il est toujours de face, c'est relou. Au pire, je vais quand même faire des jours une heure, au lieu de 3h là, 5h. Vas-y, je tente de tout, hein. Par contre demain j'ai peur de l'heure que je vais me réveiller. Il y a un bateau ouest-nord-ouest. Du coup, tu m'avais dit à la régie. Oh, regarde ouest-nord-ouest, il y a un bateau. Non, lâche la map. Il y a un caillou. C'est bien le caillou, je pense. Sud-ouest, bateau aussi. Caillou. C'est un humain. Hein. On va derrière le caillou qui est devant nous normalement. Oui c'est ça. Tu vois rien devant par rapport au trajet? T'as bien joué quand même. Non carrément GG mec. T'as déchiré avec les... C'est un peu plus à gauche. Je trouvais pas mais c'était quand même normal, ça a éclaté un bateau. Mais mec t'as tout pété parce que en fait ton premier méga keg a explosé. Un tonneau qu'il y avait à l'intérieur. Donc tu les as fait couler en moins de 2. Moi je suis heureux parce que j'ai réussi à me mettre dans le bateau et à rester caché. Les mecs, en gros là le vol c'est que grâce à toi. Oh les gars, si vous voulez plus de contenu comme ça, suivez la chaîne de Lumiarus, le meilleur. Et Maître Koba. Non, moi j'ai rien, moi je m'en fous. Non mais mettez lui un follow quand même. C'est tombé, je fais la franchement de toute façon je t'enverrai le lien de la vidéo que j'aurais découpé. On arrive non, bientôt, c'est... comment on fait pour livrer les trucs? Est-ce qu'on s'arrête au frein à main et on y va? Pfff, tu fous dedans. C'est que j'ai réussi à piquer quand même des beaux trucs. Non mec, t'as volé, enfin on a volé un Athéna, c'est sur la gauche, ouais, bouge pas trop. Non, continue tout droit. C'est vers là, attends, je vais te dire exactement. C'est lui qui est sur notre face gauche, c'est elle. Mais vous êtes tous fous à être levés à cette heure-là, même par le bébé. Par contre, on a encore des trucs à vendre. Tu prends quoi, toi? Tu prends le crâne ou tu restes avec tes armes et tu fais le garde du corps? La tourne à gauche, c'est elle. Longe-la par la droite. Tourne à droite.
C'est bon, c'est bon? Tu me dis quand c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, maintenant tourne à gauche. Je vais lever les voiles. Je suis en fond à gauche. Ok. Où j'ai posé le truc? Il est là. Je me casse. J'espère que je vais pas mourir en y allant. S'ils sont ras ici, c'est ouf. Toi, tu peux lever les voiles à fond et te garer et essayer de vendre le reste. Ça pue. Surtout que c'est celle que je déteste, faut monter à l'échelle. Celle-là, elle m'éjecte tout le temps. Et ça fout un stress. C'est pour ça que les mecs, ils adorent faire ça, les streamers. C'est ouf. Koba. C'est le GG, ma gueule. 6100. C'est le GG. Franchement, t'es un chef. T'es un chef. Le tir que t'as mis, mec, regarde-moi ça. Tu l'entends, la chanson? Ah, tu vois. Par contre, non. J'étais méchant. Franchement. Franchement, t'es la star de... Attends, je rapproche le micro pour qu'on entende. T'es la star de ouf, mec. Dites pas bien, on va les vendre. On va tout vendre, mec, on va tout vendre. Les gemmes, tu veux qu'on les vende à qui pour ta répute? Qui tu veux? C'est toi. Bon, on va les... je vais les vendre au plus près au truc d'or. Vas-y. Merde, ça c'est un crâne, je suis débile. Mec, on s'est fait un galion avec un sloop, tu te souviens? Ouais. Tu te souviens, hier ou avant-hier, quand on s'est fait éclater, quand on a fini le fort? Ça, j'ai rien. Bah franchement, GG. Un peu plus pour avoir un peu plus de loot. Ça va, il est sympa quand même. Franchement, GG, mec. De ouf. J'ai un truc aussi. Ouais, moi j'ai kiffé, j'ai réussi à tuck et à pas me faire cramer. Je suis mort parce que t'as explosé les tucks comme un chef. T'as explosé les barils de poudre comme un chef. Et moi, tu me le donnes direct après quand t'as fini? Je regarde vite fait comment ça s'est passé sur le bord. Normalement, dès que je coupe, il y a la vidéo pas découpée qui est en place. Et je vais la découper, je t'envoie le lien dès que c'est découpé, mais sûrement demain parce que je vais aller me coucher pendant que ça l'envoie. C'est bon, allez, on peut quitter si tu veux. Attends, viens là. Regarde-moi. À la tienne. Mec, on vient de faire un truc de ouf. On vient de voler un Athéna des mecs qui ont fait le fort des damnés. Oh la gueule que j'ai, je me dirais que j'ai une sangsue sur la gueule. Eh bah franchement, c'est la meilleure gueule avec une sangsue que j'ai jamais vue. Ah, je suis trop bourré pour faire des emotes. C'est vrai. On fait tomber, on kill le bateau. Vas-y. Attends, je vote en premier, comme ça c'est toi qui as l'honneur de le faire. Voilà. Ça serait une galion, ça serait cool, mais une sloop. Mec, on est deux, une sloop c'est parfait. Oh, trop bien avec la musique. Mais non, mais je suis cool, c'est... Ah, je suis désolé, j'ai changé parce que je l'entendais pas. Ils m'ont bourré, ça fallait une vieille musique. Je suis désolé. Je l'entends même pas moi sur mon casque. Bon bah c'est une autre étape pour devenir les maîtres des mers. Ah, je sais pas si ça dessoule de faire ça. Ça y est, il a coulé notre navire. Comme les autres. Eh ben franchement mec, attends, putain, il n'y a pas encore les emotes. Ah, je peux pas t'applaudir ou te faire de danse de je sais pas quoi, mais... Ça mérite. Ah mais mec, t'as tout déchiré en t'explosant ces bidons. Tu veux aller dans le truc des légendes? J'ai pas regardé ma réputation. Mais ça se trouve, t'as peut-être un truc en plus, toi.
belle musique. T'es prêt? À toi. C'est amplement mérité, mec. Si t'es puni demain, dès que t'as le droit de jouer, on fait les émissaires que t'as besoin jusqu'à ce que tu sois 50-50-50. Ouais, ça fait du bien. Ah mais mec, depuis qu'on joue ensemble, on s'est tapé combien de forts et combien de trucs en même pas une semaine, laisse tomber. C'est vrai qu'on est des pros, on arrive Qu'est-ce que je t'avais dit la dernière fois? C'est en pro pour devenir des pros, il faut proter. Attends, je te laisse aller au magasin toi d'abord. Regardez-moi ce champion avec ses bottes et ses gants et sa veste rouge. Allez, vas-y. Je te laisse avancer doucement. Tu sais, si t'appuies sur contrôle, il marche ton gars. Ouais, je crois. T'appuies une fois et tu peux relâcher. Non? Moi, c'est sur contrôle, regarde-moi, il marche là. Hey, j'espère que t'as un truc à acheter au moins. Yes. Pouah, monsieur qui a explosé un galion. Et je crois qu'il y avait. Je voulais que ça s'appelle. Enfoiré. Je crois que t'as explosé les 3 mecs sur 4 là-bas. C'est possible. On s'est barré avec le nécessaire. On aurait pu voler plus. J'espère que t'as au moins le pantalon. Ah, je l'ai frais. Mais non, parce que je suis toujours. Ouais, attends, je suis en train de regarder ma répute. Sinon, c'est pas grave. Franchement, ça mérite un truc de ouf. Ça pue du cul. On a gagné qu'un quart. Mais c'est pas grave, c'est normal, c'est qu'un coffre. Laissez très très vite. Parce que là, je suis sur les ballons. En tout cas, t'as toute mon admiration pour ce shoot de baril de poudre. Et je m'admire moi-même pour le tuck que j'ai réussi à faire parce qu'ils m'ont toujours pas cramé. GG toi. On m'a cramé 5 fois. Donc mec, ça veut dire qu'on peut le faire, tu vois. Attends. On peut le faire, ma gueule. Moi, j'arrête ça. Ouais, t'inquiète, vas-y, arrête là. Et si jamais t'es puni, tu me dis. Et on verra avec Super Sim comment on fait tout ça, tout ça. Allez. Je t'envoie le lien demain matin, je pense. Ouais. Vas-y. Aïe, bonne nuit. GG champion, à plus tard. Ciao. Et puis pour ceux qui sont encore sur le stream, bonne nuit à tous. Je pense que je vais faire des beaux rêves avec ce vol d'Athéna. C'était le premier, c'était magnifique. Bon, j'ai réussi à tuck. Mais c'est quand même Koba qui a tout fait en explosant les méga qui sont montés. Mais c'est parce que je les ai vus et parce qu'il s'est très bien tiré. Bonne nuit à toi. Et ouais, s'il est puni, dès qu'il revient, t'inquiète. De toute façon, tu nous as ajouté, donc bonne nuit. Et on va bien stripper. A plus tard, ciao.